Amaury, ton pantalon, mets-le correctement. Ah, bougez, hop. Donc on démarre, hein, toujours, c'est sur les tatamis, par le salut élève professeur. C'est un grand salut. 1, 3, 1, 3, 1. Sur la ligne du tapis, là. Là, oui, la lettre. Voilà. Alors, on s'aide avec la ligne du tapis. Arrangez du mieux, on met bien en dessous du tapis. Allez, là. Alors, c'est des gars, on va sur ce lit. En fait, c'est devant. En termes de manche. Bon. Donc, on va démarrer la démonstration par un kata. Donc, je rappelle que c'était pas évident parce qu'on a que le mardi. Donc, un cours par semaine, c'est dur de. Faire une démonstration à bien court, hein. Je vais démarrer ça. Voilà. Donc on va démarrer, on a fait notre mieux. Vous verrez que normalement, c'est pas mal. C'est bon ? Alors en place, on re-salue. Allez. Alors on démarre. Allez, rapide, 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 rapide. Allez, Laurent. C'est pas grave, Laurent. Allez, rapide, rapide. En place. Stop.
Stop. C'est dans 2 semaines, c'est le 17. Jérémy combat le 10 en kickboxing, sélection pour le championnat de France. Et Jérôme en full contact. La différence, c'est que le kickboxing, c'est shoot dans les jambes. Full contact, normalement, c'est les shoots au-dessus de la ceinture. Ce soir, les deux vont travailler en kickboxing, shoot dans les jambes. Ils vont faire une démonstration très light, parce que c'est pas le moment de se blesser, n'est-ce pas, pour la semaine prochaine. Merci. D'accord. Box. Thank you.
Thank you.
Catégorie plume. Ah, il est là-bas avec les premiers. Box. Il faut que les mettre, il est fait dans sa poire.
Donc, encore deux compétiteurs qui vont sortir dimanche prochain en kickboxing, d'accord. Arnaud, c'est sa première saison avec nous, mais il a déjà fait du sport combat ailleurs, donc on va le sortir, il a des qualités. Maurice, en fait, c'est pas Maurice, c'est Thomas, d'accord. Lui est vainqueur de la Coupe de France K1 2011 en super lourd, ça se voit, plus de 91 kilos, ça fait un beau bébé quand même. Et il est vice-champion de France de K1 Japan, la même chose, en super lourd. Il a rencontré un plus beau bébé qui pesait de l'ordre de 127 kilos, une paille, d'accord. Donc là, ils vont vous faire une démonstration de K1 Japan, c'est le kickboxing japonais. On shoot dans les jambes, intérieur, extérieur, on a le droit de saisir, clinch, on prend la nuque et on a le droit de travailler les coups de genoux, direct, d'accord. Ils vont les faire très light ce soir parce que si jamais il y en a un qui se blesse pour dimanche prochain, on occupera la vestiaire après. C'est vrai qu'il
Pour mon côté, c'est pour le dragon, d'accord? Ah oui! Okay. Oh, vous avez vu? On est parti? Allez! Il y a des bruits de bruit. Ordonnez, cliquez. Les filles, elles frappent plus fort. Bon, regardez. Allez, de ce côté, il passe de ce côté. Là, vous venez vers moi. Thank you.
chaque fois. On y tient énormément, d'accord. On est assez nombreux à être fidèles à ce club. Et je pense que moi, pour ma part, j'y resterai jusqu'au bout. Je n'irai jamais ailleurs. Voilà. Quand j'arrêterai, j'arrêterai ici. Et on est assez nombreux au club à avoir boxé avec Daniel, s'être entraîné avec Daniel et être parti en compétition avec Daniel. Et ce soir, il y avait deux boxeurs que je voulais récompenser parce que, et c'est de ma faute, je leur présente mes excuses, on avait oublié de leur faire ce type de ceinture où d'un côté apparaît le nom du boxeur et de l'autre côté le nom de Daniel Comte. Il y en a un, bah aujourd'hui c'est son anniversaire, ça m'aurait fait plaisir de lui remettre ce soir, mais en même temps c'est tout à fait logique qu'il soit avec sa femme et ses enfants le jour de son anniversaire. Donc je vais appeler monsieur Roland Pommier. On va finir sur un grand discours. Donc vous avez vu ce soir qu'on a mis des nouveaux maillots, d'accord. Donc comme à notre habitude, on fait du mieux que possible. On a offert des maillots pour tout le club encore cette année pour la fête de Noël. Voilà. Et on va finir par le salut et un petit quelque chose pour les enfants. Voilà. C'est bien parlé. Merci. Thank you.